Un truc que je peux faire pour savoir si j'ai fait le branch skip plutôt bien, c'est de regarder où est-ce que je suis lorsque mon timer indique 30 secondes. Parce que normalement, je suis censé être sur le chemin et si je suis plus ou moins loin, ça peut me dire où j'en suis au niveau de l'avancée. Je fais toujours un petit saut pour être sûr de mourir parce que sinon c'est cringe en fait. Genre t'es là et tu meurs pas. On explose Gabrou. Fallait pas faire ça. Oh putain. J'étais en train de penser à aller chercher Gabro et du coup. Ah, c'est pas grave, ça va juste me coûter 20 secondes, 15 secondes. Je pourrais même mesurer en secondes combien exactement ça. Comme ça, je pourrais savoir. Parce que là, je pourrais comparer avec mon score précédent, parce que normalement c'est un speed qui est assez optimisé. Là, si je fais le bonheur, normalement ça marche. Tiens, les blessons. Oui, parce que un peu de temps s'est coulé, merde, je vais pas tirer au bon endroit aussi. Et après, je me suis un peu dépatouillé dans l'eau et tout, donc on va dire 20 secondes, 25. Ouais, enfin, c'est pas assez précis. Mais au moins, ça marche. Ça marche, ça marche. Je peux attendre le 35 minutes. C'est mon objectif. Ok, il faut dormir 1 minute 30. Il faut aller demander à Gabro pour l'étranger, aller chercher les sbires. 1:30. Ah, par contre, le début est à 3:39. Faut que je compte ça. J'aurais pu compenser en dormant. Non, c'est pas grave. La dernière fois, j'avais aussi trouvé le mémo technique de retirer 1 minute 30. Thank you.
fait exprès de monter un peu et là de descendre, histoire de pouvoir genre approcher son monstre de face. Là par exemple, là je suis assez bien. Genre j'avance vers et juste à ajuster comme ça. Et là je sais que je suis en bonne approche. On ouvre ça. Et là, le poids est là-bas. Je me suis plus tard. Mais ça se gère. J'approche de face. La petite qui est isolée, qui émet du bruit, c'est elle. On va en profiter. On va longer les bords histoire d'être extra safe. Comme ça. On envoie ça histoire de se dire pardon. Du coup, c'est pas forcément pratique d'avoir mon minuteur là où je l'ai en fait, parce que finalement bloque un peu la vue sur ce qui est affiché sur mon truc. Voilà. Voilà. Okay. Ok. Et la sortie, je sais jamais. Je sais que c'est en arrière par rapport à moi et qu'il faut remonter la branche. Mais je sais jamais quelle branche. Je me trompe toujours. Je crois que c'est à gauche, à gauche, à gauche. Je crois que c'est par là. Et là, faut se diriger vers le rouge. Rouge et là-bas. Attention, il y a un poisson juste là aussi. Oui, je l'ai vu. Je le rouge arrive un peu loin. On va pas paniquer, on va approcher par là. On va juste prendre des photos de reconnaissance. On va arriver par là. C'est pas le plus optimal, mais au moins, on arrive quelque part. Ok, à 300 mètres, on est safe. Une optimisation qui est possible si on part plus tôt et qu'on fait confiance au fait que les poissons se bloquent contre les œufs. Et en vrai, c'est largement faisable. Genre, si vous collez aux œufs, les poissons ne peuvent pas manger le vaisseau. Et du coup, vous pouvez partir suffisamment vite vers un bulbe en toute sécurité. Sauf que là, je sais pas si j'arrive par mon angle habituel, donc du coup, ça me perturbe. Mais ça y est, je suis suffisamment prêt. Donc on le cherche, il est là. Juste au-dessus normalement. Ok, on se stabilise et après il faudra partir devant nous parce que devant nous il y a un bout. Ça permet d'éviter de rentrer trop vite à l'intérieur. Et comme ça, on va direct. C'est parti. Alors, gravité, je sais qu'aller à 1000 mètres par seconde, c'est pas mal. Ça te laisse le temps de faire. Surtout lorsque j'en. Voilà. Voilà, 1000 mètres par seconde, c'est pas mal. Et on peut ralentir à 9 km. 9 km, on ralentit bien. On maintient le S en français. Les calculs ne sont pas bons du tout. C'est intéressant, mais non, j'ai pas fait les calculs. On cherche une brèche. Et vaut mieux être à peu près en dessous de là où on est. Il y a des pleins de brèches de l'autre côté. Il n'y a plus une seule brèche.
façon, Québec, c'est le pro de la perte de temps. 500 km, cool. Est-ce que par hasard, je suis pas plus près de gravité d'être bois? C'est peut-être un truc à faire, ça. Genre, tu te laisses tomber dans le trou noir et comme ça, t'arrives plus près, plus rapidement à un truc. Ça m'étonnerait. Là, je vais beaucoup plus vite. 9 km, 1000 mètres par seconde, on vient de dire que c'était trop rapide. Je peux faire un méga bien de faire comme ça. Ça, c'est une bonne orientation du vaisseau. On descend, on a les pieds posés tous par terre et on est à peu près en dessous. Et on peut même se poser sur la parabole. Et là, on est parfaitement. Propulse à fond, visière à Québec. Il faut faire très gaffe quand je dis visière à Québec parce que ça ne marche pas toujours. Et ça y est, c'est déjà bien. C'est pas grave. Ça tuerait une vraie run en fait. C'est pour ça que j'aime pas cette catégorie parce que là je fais un premier temps de vérifier que tout. J'accepte d'avoir des détours comme ça, mais ça fait bien. C'est un fruit. Voilà. Merci. Sur le toit de la fusée, voire même sur la petite parabole là, c'est pas mal. L'enfonce, en fait ce qu'il faut faire, c'est viser le cristal avant. Comme ça, il n'y a pas trop. Mais faut pas dire qu'il est mec tout seul parce que ok, et ensuite. Le sens inverse, c'est assez simple. Allez. Pas de bonk cette fois parce que ça a déjà arrivé de casser le vaisseau. Alors attends, on peut faire des calculs. 3,40, j'ai mis 40 secondes de plus, donc d'habitude je retire 1 minute 30 à mon timer, là je vais retirer 1 minute 10 à mon timer. Ah non, remarque, ça change pas. Si. Je fais un atterrissage à la sablière noire, c'est-à-dire que je fais un tour de la tour. Déjà fait mieux, c'est à dire qu'on a déjà fait des 13 minutes à ce moment là. Une run qui se passe bien, je suis à 13 minutes à ce moment là.
quand même. 15-30 fois enlever 1010, ça fait qu'on a 14-10 dans la boucle. Attends, 15-30 fois enlever 1010, ça fait qu'on est à 14-20 dans la boucle. On veut se réveiller à 18-50. Donc, entre 14-20 et 18-50, il y a 4-30. Donc, à 4-30, on se réveille. Attends, 14-20, 18-50, 4-30. Ok, on est bon. Non, je retire 5 secondes. 14-25. Non, 4-25, du coup. C'est tendu et maintenant, surtout pas perdu. Après, ça va. Allez. On n'a pas perdu de temps. On est sur le truc d'un. Attends, mais je vais pas faire mal mon calcul. Comment est-ce que j'ai pu faire aussi mal mon calcul? Partir 1 minute 10, fallait retirer 1 minute 50. Attends. On a tout le temps, on va réfléchir. Là, on pourrait tourner sur la planète et dormir 10 secondes. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai commencé la boucle à 3:40, j'ai dormi 1 minute 30. Et là, il était 14 quelques. Donc. Normalement la boucle ça faisait 10 minutes ou 30, donc en fait j'aurais dû faire comme d'hab. Donc en fait, il fallait que je retire plus de temps. Ah oui, parce que je suis censé retirer le... Non, justement. Si je prends 3:40, qui est le temps de base, il faut que je retire 3:40 et que j'ajoute 1 minute 30. Moins 3:40 plus 1 minute 30. Ça fait... Ah oui, c'est ça, ça fait 1:50. Avec une 30, c'est 3 minutes. Si je suis 40 secondes. Ah, peut-être 40 secondes. Normalement, je suis censé être extrêmement juste. Mais... Ça va, c'est pas dramatique, mais là, je peux gagner bien 30 secondes facile. Mon 18:50, en fait, finalement, il est safe. Hein. Je peux même presque faire un 19. Au moins c'est ça. Au moins, je ne souhaite pas avoir comme des merdes sur cette boucle. Maintenant. Fait un tour et qu'elles seront à nouveau derrière le curseur, ce sera le début de la boucle. Ah c'est vrai, j'ai ça. La suite. Alors,
Tu dors pour aller sur ATP, 6.30, et cette fois tu te plantes pas avec ta vitesse et tes rapports de force et tout. T'es prêt à appuyer sur R, t'es prêt à bouger ta souris, t'as pas trop froid aux doigts. Si j'ai froid aux doigts, faut le faire avec. Vol vers ATP, va à l'intérieur d'ATP. Après je sais. Normalement ça serait tout seul. Et là faut réussir à l'atterrissage sur ATP. Déjà planté la dernière run, c'est à ça que je l'ai foiré la dernière. Cette fois j'y arrive. Et je fais même un 6.30 histoire d'être méga safe. Parce que. Au bout d'un moment, faut apprendre à se rater safe. Voilà. Ça demande un petit peu pas les mêmes réflexes, la 6.30 que la Any Percent. Parce que la Any Percent, on fait 7 minutes, voire 6.30, 6.40, 6.50. Là, je vais faire un bon vieux 6.30 des familles. Parce qu'en plus, faut être sûr d'être bien posé. Donc 6.30. Mais 6.30, en fait, ça fait que la planète est un peu plus loin et donc faut accélérer un peu plus, ralentir un peu moins, faut surtout pas trop accélérer. Donc voilà. C'est pas simple. Faut surtout pas dépasser les 700 mètres par seconde, sinon t'es cuit. J'ai parlé à Gabro, ouais c'est bon, j'ai parlé à Gabro, du coup je sais où est l'étranger, et ça va nous être utile. Ah, c'est pas grave, j'y vais avec de l'avance. Je suis dans la mauvaise direction, mais non, c'est pas grave, c'est plutôt la bonne direction. C'est bon, c'est la bonne direction. C'est juste que j'ai pas l'habitude, mais c'est la bonne direction. L'idéal en fait vaut mieux passer par au-dessus. J'ai beaucoup trop un petit. Bon, ça va être un peu rigolo, mais normalement je ralentis suffisamment là. Je peux même utiliser un ralenti atmosphérique. Et là je peux même faire une approche standard. Allez, approche standard, on se redresse et on y va et on se calme. À l'avance. Bien posé comme il faut, les trois pieds sur terre, je peux mettre un peu de parfait, ça se passe très bien. J'ai plus de son parce que le téléphone, ça va couper tout le son. Putain de téléphone de merde. Plus encore été les démarcheurs. Voilà. Tout le stream. Ça se trouve, vous m'entendez plus, mais ça m'étonnerait. Mais au moins, on a. Attendez, on va avoir moi-même en T-pose. Vous êtes prêts? T-pose, yes! Everybody loves T-pose. J'aime bien mettre ça maintenant. Chai! Fils de pute! Regarde ce que j'ai dans la main! Ah, je suis perdu, je suis désorienté. Ah non, c'est en désactivé. C'est bon, ça va être. Child, regarde! J'augmente mon gamin.
S'effondre maintenant, c'est que le niveau de l'eau commence à descendre maintenant et que donc on a quelques secondes. Et là, on est plutôt bon. En plus, là, normalement, la barre va commencer à se détacher et à rejoindre. Et maintenant, elle est à peu près sous la cloche. C'est pour laisser l'artefact, ramasser l'artefact. Please. Et là, on va redescendre. Please, where are you? Il est flipped. Il faut se sauver. Merde, est-ce qu'il n'y a pas... Quand il est trop bien garé le bateau comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il glisse sur le bord de la paroi de la cloche. En vrai, il faut que j'arrive à faire ça. Je peux aller là-dessus. Je peux passer un bon moment et espérer que le courant va me rapporter sur le bateau. C'est ce que je vais faire, mais la voile n'est pas foutue. Attends, on en a un là-bas. Si j'y vais, je vais pas l'avoir sur 6 bateaux en squelette. Non, le bateau commence à se remporter dans une direction. Je pourrais tenter d'y aller, mais là c'est trop rapide. Je pourrais pas. Par contre, je peux juste sauter là-dessus. Ça se fait.
peux faire à mon niveau parce que le reste c'est bien d'avoir plus de blocs. Parce que là c'est très bien. C'est une stratégie plutôt sécure. C'est pas bon, je suis à 29 minutes, mais on a bien avancé en tout cas sur le jeu. C'est là, sur le compte là. Mais on a encore des risques de se planter parce qu'on n'a pas encore pour team à l'autre. Pas le soleil. Si c'est le soleil, c'est la fin de la run. Pas fini. Et sur 4 voies, était dans la mauvaise direction. Une manœuvre semi-orbitale. Là, c'est ce qui va nous approcher le but. On va passer au-dessus du soleil. On va faire comme ça. Car il s'est passé arrêté par rapport au soleil avec une bonne logement. Là, tu vas sur une trajectoire d'intersection. Le timing dans le temps, et en plus, je ne sais pas à quel point on est proche de la fin de la route. Mais je vois encore la colonne de sable sur le sable. Je n'ai pas calculé la fin de la route. Je n'ai pas dormi. Si je dormais 6h40 avec une minute de glyphosate, c'était 10 minutes. Je vais voir en fait 350. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Contre la pression, j'ai pas fait gaffe. C'est bon, c'est le genre d'énergie, c'est bon. Maintenant, c'est bon.
Et on va chercher ce robot. Elle est là. Ça c'est la chance. Je sais pas si on va y arriver à temps. Le soleil est bien rouge, mais on est loin. Après quand t'as une nuit, on est à 10 heures. De toute façon, on peut faire un face solaire. Ça va très bien. Ce qu'il nous faut dans un premier temps, c'est la tour. On n'a pas fini le mode. On peut encore faire un temps. On peut encore faire un PB. Dommage. J'aurais fait un Solanum, quoi. Ah, je sais pas ce qui est optimal pour dormir pour Solanum. Non, si, c'est dormir juste 2 minutes, histoire de voir si on a... Non, si dormir 2 minutes, c'est optimal pour Solanum. Donc on va faire ça. Ok. On n'a pas fini. On peut faire un sub 40, je pense. On dort 2 minutes. On va chercher Solanum. On avait fait un bon truc. Une fois qu'on a cherché Solanum, on le ramène sur Terre. Oh, merde, il me faut... C'est pas grave, je peux le faire. De toute façon, ça grille pas nos chances d'avoir la lumière. Je me souviens quand je t'ai demandé une pierre, j'en veux une autre. Merci. Ok. J'ai de la chance, du coup je l'ai deux fois de suite, très près. On va doucement ralentir. Ok, on se casse. Où est la tour? On veut la tour. Elle est là. L'univers était mort. Donc bref. Salut. C'est ça. Cher Solanum, je vous invite au village d'Atrebois pour fêter Noël. Cher personne, je ne vais pas accepter le côté de l'invitation. Mmh.
Voilà, et là on est bon. On fait ça, et maintenant il faut attirer sur la planète. Où est la Terre? Où est la Terre? Elle est là. Ok. On va faire de notre mieux, mais pour atterrir, on va se rentrer dans le bon sens. Et on va faire une approche orbite, comme ceci. De toute façon, c'est pas très bon. Ah merde, Ardoise, tout le monde est là et allons-y. On peut faire ça. Cornet, tout le monde est là. Ok, ensuite. J'ai pas réussi le sub 40 minutes. Ah merde, si j'aurais fait un bon solenum, on aurait le sub 40. Vas-y, voilà. Bon, c'est un PB, mais c'est pas un sub 40, c'est pas un sub 35. Bon, mais c'est un PB. Première run, j'aimerais que ce soit... Enfin, j'aurais du mal à faire mieux, et je veux que les gens fassent mieux. Je veux que les gens fassent mieux. Parce qu'il y a largement de quoi faire mieux. Mais ça, c'est une run dont je suis fier, parce que j'ai pas fait de bourde. Peut-être Solanum, j'aurais pu le faire au premier cycle. C'est pas grave, j'aurais essayé. Peut-être que j'aurais pu sortir de l'étranger plus vite en ayant une barque déjà prête. Et ça m'aurait laissé large le temps pour Solanum. Ça m'aurait laissé à peine le temps pour Solanum, mais ça aurait été possible. J'ai fait un tour pour en plus pour Yevek. J'ai même fait deux trucs pour exploser Gabbro. Non, pour exploser Gabbro, j'ai fait un truc de travers parce que je suis allé chercher Gabbro d'abord alors que je devais pas. Donc c'est une brune qui peut large s'améliorer. Mais c'est fait. Et je suis content. On va rester là. Bisous.